Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Summer in Mara, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon, on va par là. Droite, droite. Donc on a un tambour à l'amener et un endroit de l'eau à vérifier. Voilà qui arrive quand on embête la famille Napa. Oh. Il est où mon bateau? Bean Machine, salut. Le jour et la nuit.
Évidemment. Avoir su, j'aurais dû être partenaire sur Facebook. C'est mon erreur. On avait le partenaire automatique. Quelque chose à graver dessus, mais je connais pas ce que c'est. On dirait une inscription de ville. Je vois qui l'a, je vais lui apporter. Toi, tu joues à quel jeu dernièrement? J'ai apporté le tambour pour un temps. Merci, il est parfait. Vous allez créer un groupe, oui, dans le futur, quand le moment sera venu. Pourquoi ne le faites-vous pas maintenant? Non, je vais prendre mon temps. Je saurai quand ce serait le bon temps. Le bon moment. C'est ce qui me fait plaisir. Une tarte à la citrouille. Mais on est au beau milieu de l'océan. J'ai un ami qui est très bon cuisinier, je l'aime. J'aime préparer des pâtisseries, peut-être qu'il pourrait nous aider, je vais lui demander. Ciao, le nouveau va sortir bientôt.
C'est juste actuellement très occupé.
Salut Abdev. Non,
On a besoin de 2 000 $ pour le nouveau bateau. J'ai rien que 388. Payant le cuivre brut. On va amener sa bague à lui. Akila, vous souvenez-vous de mon ami Apopo, évidemment, comment puis-je l'oublier? Il voudrait que vous preniez ça en guise de remerciement pour la perle. Oh, comme c'est curieux, c'est une bague élite sur laquelle est inscrit progrès et puissance. Elle appartient sans doute à quelqu'un de la noblesse, peut-être le baron qui commande la prospection. Mon ami Apopo a beaucoup d'humour. Je ne comprends pas, je crois qu'elle me conseille ou qu'elle me gronde. Dis-lui que je me tiendrai bien. Mon message est clair. Ah ouais, comme c'est sérieux, d'accord.
Offre-moi un travail. Quoi, tu as beaucoup mûri, Mara. Oh, t'es signe de toi. Mais non, pas du tout. Mara est bien trop occupée pour s'intéresser à moi. Toutefois, il te manque toujours quelque chose avant d'être en harmonie totale avec toutes les créatures. Prends cette reine des abeilles. Apporte-la sur ton aile. Construis une ruche pour qu'elle prenne soin et regarde grandir. Bientôt, un essai vivra sous ton aile. N'est-ce pas dangereux? Aucune créature n'est dangereuse si elle est en harmonie avec Mara. Ah! Les esprits qui seront à ma faute. La popo, est-ce que tu as donné à Aquila? Tu ne veux pas me le dire, hein? Oh, d'accord, tu es plus espiègle que je pensais. Et la popo, est-ce que tu veux peindre quelque chose? Je m'en doutais. Tu es plutôt doué pour le dessin. Tu deviendrais un grand artiste. Je vais te fabriquer une grande toile. Je vais trouver une peinture. Ta grande carrière d'artiste commence ici. J'ai même pas qu'on pouvait remplir les réservoirs là. Est-ce que tu sais préparer une tarte à la citrouille? La citrouille? Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Pourquoi faire? C'est pour une amie. Une pirate. Pirate? C'est effrayant. Prépare-la et tu verras, je dirai à mon ami d'aller à la buvette. Comme ça, tu gagneras de nouveaux clients pour Taka. Eh bien, d'accord. J'ai le 2000 déjà. Bon, allez, on va grossir notre bateau. Comment ça s'est passé avec le banquier? Comme si, comme ça. Je te l'avais dit, les bateaux avancent. As-tu apporté les matériaux? Un instant, je vais placer ça ici. Et voilà. Super, n'est-ce pas? Merci. De rien. À plus.
Au revoir. Retourne à Duna. Appelle-moi. Appelle-moi de parler du jour. J'ai un nouveau bateau, il est très rapide. Donna en voyage et trouvé une structure gigantesque qui appartient à David. Une plateforme de recherche. À quoi sert-elle? Elle perfore un trou dans le fond marin et pénètre dans la profondeur. Ça a l'air horrible. Elle est sûrement. Mais je ne sais pas ce que les élites recherchent dans l'océan. Peut-être une source marine de mal, ce qui ne me fait pas penser. Mes sismographes ont détecté des vibrations et ils ont peut-être été installés une nouvelle station près d'ici. Je vais bien enquêter ce sujet, évidemment. Mais fais attention, ne prends pas de risques. Trouve la situation potentiellement dangereuse, reviens immédiatement. Aux ordres. Petit. Hein? Je suis pressé, arrête ton bateau. Je dois me rendre service. Ce n'est pas le moment. Oh que si, tu devrais être plus respectueuse envers tes aînés, ce n'est pas juste. Je suis un pirate. Petit, rien n'est juste avec moi. Je suis un bon pirate. Enfin, pas dans les sens moraux du terme, évidemment. Pour être plus clair, je suis un excellent pirate. Je m'appelle Monsieur Echo. Qui êtes-vous? Je veux être une bonne louve de mer, il te faut un équipage. Pas forcément la popo et moi, on se sort bien. Que penses-tu d'un animal de compagnie alors? Moi, pourquoi un petit cochon? Tous les navigateurs qui se respectent se doivent d'avoir un petit cochon, ça me paraît étrange. Prends-le, c'est un bon cochon, dans le sens moral du terme. Il est très docile et très gentil.
te nourrir, tu attends un peu et tu trouveras des truffes. Quand il l'aura fait, apporte-les-moi. Tu me donnes vraiment le cochon. Oui, c'est génial. Je suis vraiment content. Quoi, le nouveau lieu de marin. Attendant demain pour continuer à naviguer. Donc c'était tout pour le live du jeu Summer in Mara, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!